Famille Sosa au chevet des sinistrés de la commune d'Atiémé. Fidèle à sa tradition de partage et de solidarité, cette famille est allée au secours des sinistrés de la commune les bras chargés. À Tchanou, Atiémé, à Don, Dédékoué, Pénon et Zonkwe sont les villages traversés par la chaîne de solidarité de cette famille. Personne ne viendra faire développer notre commune à notre place. C'est fort de cela qu'avec nos modestes moyens, nous essayons de rester collés, nous essayons de rester présents avec vous autant que cela se peut. Au total, 250 sacs de riz, 500 moustiquaires, 20 balles de friperie, des médicaments génériques, des fournitures scolaires, des paquets de tôle, des tonnes de ciment et une somme de 800 000 francs ont été offerts aux victimes des inondations de cette partie du Mono. Un élan de générosité que les bénéficiaires ont apprécié à sa juste valeur. Au nom de ma population, M. Sosa et ses frères, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Dieu va vous les rendre au centuple. Le seul mot que nous utilisons souvent, c'est le merci. Si tout le monde pouvait le faire, je pense que nous n'allons plus trop nous plaindre. On dit souvent que l'eau, c'est la vie. Mais actuellement, moi, je vois que l'eau, c'est la mort. Il y a des champs de culture qui sont partis, des maisons qui sont tombées. Le CEG de Zonkwe, construit il y a 4 ans, peut également se réjouir du passage d'Anatole Sosa et des siens. Aujourd'hui, il faut tricher les bonnes choses. Et puisque c'est bon, sinon si ça semble être bon, je crois que nous devons nous armer davantage pour encourager. Et comme j'ai toujours dit, si nous mettons vraiment aux genoux, on nous aidera à mettre sur la tête. Parce que l'établissement va présenter pour la première fois au BPC cette année. Et notre souhait le plus ardent, c'est d'avoir un pourcentage de 100%. Je crois que je ne me trompe pas. Vous allez vraiment me faire honneur. J'espère. La famille Sosa n'en est pas à son premier geste et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. D'autres actions sont annoncées dans les jours et mois à venir.